Ou besoin bon analyse à commenter sur sport, nous invitons à suivre un grand show sur écran. Sport Express 62. Besoin aller plus loin que ça pas bien comprendre, pas quitter train à quitter. Pendant 45 minutes, viens regarder, viens écouter, viens comprendre ça qui t'est passé, ça qui t'a passé dans toute discipline pour ici pour notre bord de l'eau. Sorti lundi pour vivre vendredi, chaque après-midi 6h, ça fera le show dans Show Power là, Sport Express 62. Sport Express 62, c'est l'émission tout le monde qui connaît sport. Bonsoir tout le monde. Il fait 6 heures. Je dis à cette dernière émission dans tout studio Radio Galaxy. Non là parce que nous là, mais tribulation, tracaio, pas fini. Parce que nous dans le Grand Sud, particulièrement nous au Caï, en bas, gros inondation, tout comme dans BDN, Bombardopolis, tracano a continué, nous dans traca, nous dans problème. Et puis demain, c'est à funérailles. Il y a un ancien collaborateur, papa, il y a un actuel collaborateur, il y a un monde qui participait dans l'émission Sahara. Nous voulons parler de Emmanuel Alexandre. Bonsoir, Bernard. Bonsoir, Jacques. Et bonsoir, tout le monde. Note triste pour commencer l'émission Sahara, et dernière émission pour ce maintenant. Et tu as dit, Jacques, monde dans le nord-ouest, monde dans le sud, dans notre cas. Et puis, bon, ici, c'est demain, on a enterré Joël Alexandre, un gros technicien dans les affaires radio qui est avec nous dans Radio Galaxy, là, nous sommes dans Rue Pavée. Là, on a retiré l'école, il est passé et témoin, passé ma tête à petit garçon, là, Emmanuel Alexandre. Il y a un gros technicien dans les affaires radio, il y a un gros technicien, pas bon, ici, qui sortit dans la radio, fait télévision. Et fait transition de manière rapide et facile. Donc vraiment, et c'est le moment pour nous, une autre fois, même si nous avons déjà une autre fois, exprimer sympathie nous et à toute famille Alexandre, à tout le monde qui a apprécié le travail, qui a collaboré avec Joël Alexandre, qui a quitté nous. Dans le même rubrique, matin, nous avons assisté à la funérailles. Un bon ami Sport Express 62, un bon ami. Et la bande du matin, d'ailleurs, qui sont collaborateurs. Tout, papa, mon bon ami. Papa, mon bon ami. Yes. Papa, mon bon ami. Oui. Ah oui. Vous dites, mon bon ami. Montez avant l'œuf. Toujours avant l'œuf. C'est vous, Jean-François, papa, qui finit à chanter matin dans l'église Saint-Pierre, Pétionville. Et la famille est très affectée parce que l'homme a dit un gros mot pour qu'on s'en comprenne. Mais que bon Dieu et Jean-Pierre a dit la bonne force, courage pour nous traverser. Épreuve ça. Jeudi, nous allons parler du match en retard qui a gagné hier dans le stade de Silvio Cato. Nous avons venu avec un résumé pour vous. C'était Violette face à l'équipe América de Cali. Violette qui fait une victoire face à América de Cali. Et 11e journée, nous allons présenter le bout. Et avant, nous allons regarder ce qui est passé dans la 10e journée. Comment classement est et si championnat est après 10 journées, qui équipe qui tape descendre et puis où qu'on est depuis qu'il s'agit de derby. Derby dans Sport Express 62, c'est affaire en monitour. On a pas le présentateur Real du Cap face à AS. Son gros total match dans Vélo Cap, son deuxième derby qui gagne dans Vilsa et puis. Et derby que nous connaissons, il y a un autre derby qui est chaud, et il y a un derby qui a pas fait un stade flambant neuf. Qui est-ce? Pas flambant neuf, un stade requinqué. Ben, qui est-ce qui a pu premier mettre de l'autre à terre dans le parc le 23 de Saint-Marc entre Baltimore et Tempête? Nous connaissons lundi parce que caméra Sport Express 62 a pu flâner sous terrain sérieux pour nous porter toute explication pour vous. Non! International, là, nous pouvons parler de gros matchs qui a bien, un match qui joue aujourd'hui a gagné trois matchs spécialement que nous avons prêté sur. D'abord, gagné un Paris Saint-Germain Marseille. Nous avons prêté tout sur un certain Chelsea Manchester United et nous avons fini avec un certain Milan Juventus. C'est un gain de temps. Nous avons parlé de un Séville qui a recevoir l'équipe Atlético de Madrid là, tant que programme chargé, jeudi à Berman. Il y a un bel week-end, Jacques, en perspective, avec bien sûr tout le monde. Et un week-end qui a bien commencé et en Haïti pour les Bleus et Blancs, pour le Violette qui réalisait deuxième victoire dans la série de clôture.
Et tant qu'on t'a dit hier soir dans Grande Gueule, et Fanatique Violette, dirigeant Violette, équipe là lui-même, équipe pral grand pile regret, l'équipe là vraiment pral renforce. Et puis c'est ça, lui dans bas fond classement, hein, la difficile poule, et comblé tout vide, et que l'on a créé lui-même dans la série. Mais quand même, belle victoire 1-0 du Violette sur l'Amérique. Mais maintenant, moi-même, ce n'est pas sous victoire Violette là que je mettais accent. Je mettais accent sous l'Amérique des Caraïbes. Après une grosse tragédie qui passait, et la nuit 3 octobre, ou 4 octobre, et vent et aller avec 3-4 têtes de caille, la pluie, inondation, j'en ai inondation toujours. Mais grâce au sport, grâce au football, la vie quand même reprendre dans ville ça et jouer et c'est avec un peu de courage, un peu de détermination parce que yo dit faut que yo célébrer la vie, faut que yo continuer vivre, faut que yo continuer porter l'espoir pour moun qui dans ville local, pour moun qui dans département du sud pour dire que malgré toute calamité, toute tracas, nous là, nous pas mourir, nous pas gain droit mourir, faut que nous goumen pour nous vivre, mais seul bagage c'est pour nous capable vivre bien. Nous ne pas rentrer dans la dynamique tout, plutôt nous l'aide. Nous, là, on garde ensemble dans Sport Expo 62, comment ça a dans le stade Silvio 14 en deux équipes. Violette, qui est en blanc, et puis. Non, c'est en vert. Oui, en vert. Américain blanc. Et Américain blanc. Et c'est pas souvent que nous jouons Violette à jouer avec la couleur ça. D'autant plus que c'est lui-même qui a pu se voir et c'est couleur réserve lui que l'y a adopté et pour le quitter, América jouer lui-même et en blanc. Violette en blanc, América en vert. Violette en blanc, América en vert. Et là, c'est América qui a gagné le ballon, qui a passé. Nous, on est heureusement, nous avons dit qu'il y a une perte de joueurs dans l'équipe América et Berman. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Et nous, on connaît ça tout. Que gagne tel ou tel joueur qui toute victime c'est tout pour nos au CAI et tout pour notre grand sud en général de près ou de plein fouet ou de loin victime de et Mathieu qui sont passés là et là quand même souterrain ou capable de remarquer que équipe América et lui montrer hein, et que match là il était prendre au sérieux l'action que vous menez c'est vrai et tellement qu'il rit là et pas gain contact parce que gardien joue ballon et ce ballon que jouait li pas vraiment été touché pied joueur équipe América et là sous corner ça et bonheur donc Violette te l'ouvri score là passivité de l'équipe de la défense de l'América des défenseurs de l'América pas et il y a tout le ballon de côté ouais pratiquement c'est seul joueur Violette un joueur qui sautait d'abord pour ballon et puis l'a tombé sous tête en deuxième qui fait un coup de tête plan, bien décroisé et Violette Athletic Club gagne un match là sur le score et d'un but à zéro. Et c'est comme ça, ça est, deuxième victoire pour l'équipe Violette là qui lui-même a essayé et bien négocié. Fin championnat. Fin saison. Pour l'arriver, parce que c'est clair, Violette dans la deuxième division. Il y a des gens qui disent condamné le droit vite, mais maintenant, nous, dans la période qui est plus délicate dans le championnat, période qui plus dangereuse en tout parce que on a pas le temps de en pile problème passé parce que toute équipe après elle voulait gagner, yo pas voulait descendre en deuxième division, ça qui voulait jouer playoffs, c'est nous rentrer dans dernière ligne droite qui t'avait dit que son joueur tout petit vice cap jouer dans championnat, c'est pourquoi je dis que le Violette n'a plus de chance par rapport à un jeu qui a gagné pour match football yo, chaque match après le jouer au finish, mais c'est bien pour moral Violette qui a fini sur une note très positive pour les aller dans le purgatoire, deuxième division. Ils arrivent tout motivés pour dire qu'ils font une bonne année et puis retourner monter côté OTA parmi l'élite. C'est bien pensé. C'est une très bonne attitude de moins pensé, Jacques, de la part des dirigeants et du Violette qui dit que, bon, là, nous condamnons, nous descendons quand même. Mais en, depuis qu'on a commencé à préparer, justement, saison, nous avons fait. Green saison, nous avons fait. Non, et deuxième division. Et là, c'est bien parti avec deux victoires et souvelé depuis quelques temps un comportement est acceptable. Justement. Vous êtes une équipe qui fait pile match sur le tout. Plus, qui n'a pas perdu autant que les gens situés à ce pays.
Et là, nous allons regarder comment le classement est après la 10e journée du championnat et nos bons matchs en retard qui sont faits. Voilà maintenant le classement qui gagne 18 points. AEC et Petit Gouave sont en deuxième position avec 17 points, meilleure différence de goal pour l'équipe AECA. Et puis, en quatrième position, nous avons l'Aigle Noir qui gagne, même genre avec Real au Port du Cap, qui gagne 14 points. Différence de goal, même genre entre deuxième avec troisième. Real et cinquième, Baltimore, et qui a poil joué. Sixième. Et puis, septième, Roulado, qui gagne 13 points. Et mais goal différence sur l'équipe Sao, c'est 0. Et puis, Fika, qui gagne 12 points. Inter de Grand Gouave, 12.9e. Entre le premier et le dixième, c'est 6 points. Et onzième, disons 7 points. Douzième, 7 points, Violette. Et treizième, nous avons dit, c'est 7 points. Et jusqu'à Cavalli, qui 14e avec ses 10 points, il y a une chance pour jouer playoffs. Parce que après journée, ça après 7 journées. Donc, dans 7 journées, il y a 21 points qui sont en jeu. C'est-à-dire, et premier a 18 points, il y a gagné suffisamment de temps. Si n'importe quelle équipe qui fait 6 victoires d'affilée, il y a une chance pour jouer playoffs. Parce que 6 victoires, ça fait 18 points. 18 points plus 10, il y a au moins 28 points. Ça veut dire qu'il y a météo parmi 4 premières équipes qui sont pas qualifiées pour capable de jouer et playoffs dans le tournoi de clôture. Championnat très ouvert et championnat qui est très 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 jeune puisque là, n'importe bagaille qui arrive, n'importe monde qui a parmi 4 premiers pour jouer playoff dans la série de clôture. Et maintenant, et fameux si championnat a fini là, on a regardé le classement moun qui tape descend dans la deuxième division. L'Aigle Noir, et malgré que il est en quatrième position dans le tournoi de clôture là, mais et café le tape Koulama si le championnat est fini dans la 10e journée. América de Cali, Inter de Grand Gouave avec Violette, c'est équipe. Violette qui font gros bon quand même parce que Violette gagne 19 points. Et Violette est fini premier tour là de façon calamiteuse. Donc Violette qui a eu meilleur et deuxième tour et tournoi de clôture contre tournoi d'ouverture. Parce que même bagaille avec l'année passée, parce que mes seuls bagailles l'année passée, ils ont fait un meilleur tournoi d'ouverture. On a dit meilleur, on a fait un bail qui est plus passable. Et dans la deuxième partie du championnat, tournoi de clôture, on a fait un très, 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 très bon tournoi de clôture. Jusqu'à ce que vous êtes même arrivé. Vous êtes en première position. C'est la différence de goal qui te permet que FICA ait fini. Non, Ressine Lagonaï. Dans le tournoi de clôture, là, fini et sous yo pour qui te permettre que l'équipe-là, lui-même, lui batte, recevoir tout le match de la Cali. Donc, Violette et chapeau. Mais maintenant, on apprend ça, plus bonheur, mais la parole plus difficile, l'est ou non, deuxième division. Maintenant, on a loué, Berman, calendrier pour 11e journée qui a joué dans le week-end. ASM Juventus. ASM Juventus, Juventus dans une situation compliquée. Très difficile. Qui pourra le déplacer à l'Emir Ballet, dans le parc Saint-Louis, face à un ASM qui n'a pas joué une grosse saison. Qui n'a pas une grosse saison, qui a pas une saison mi-figue, mi-raisin, qui a pas une saison qui a un coup bon, qui a un coup mauvais. Après la mort d'Aol, il a repris une compétition, comme si on a dit l'esprit d'Aol en tant que bon capitaine était avec eux, mais au fil des matchs, au fil des rencontres, ils ont perdu la motivation qu'ils ont gagné, qui fait qu'ils ont perdu deux matchs, l'un derrière l'autre. Est-ce qu'il y a pour parce que c'est sur Juventus, double chance. Parce que mon Juventus yo, et ni América de Cali pas jouer dans les meilleures conditions possibles championnat. Parce que la situation globale dans le département du Sud affecte nécessairement les joueurs de la Juventus de Cali ou l'América de Cali. Il y a même un avantage que tu as joué au match et enfin au fait déplacement. Ça, c'est en tout cas, tu es déplacé. Donc là, son deuxième déplacement, parce qu'au fur et à mesure qu'il a joué, il a pu prendre rythme, il a pu prendre confiance. Je ne vais pas dire qu'il a oublié, mais quand même, il a pu bien maîtriser, si vous voulez, les situations qu'il a trouvées depuis environ 3 semaines. Là, ces matchs, si vous voulez, mi-temps tableau, mais il y a un autre match
qui est important. Qui... Parce que tous les deux équipes ont goûté plus ou pas descendre. Parce que yon beaucoup exempt par rapport à la quantité de points que yon gagne. Wanamet a déplacé. Leader a pralé la caille américa. Moi, j'ai plus chance pour me croire que Matt a pas joué. Parce que au caille inondé, je dis à vous. Si au caille inondé, c'est dans la ville de Caille et que l'Amérique a pas recevoir match, il y a de très fortes chances que ce match ne se joue pas parce que les conditions terrestres capables de répondre et dans la ville de Caille. Et Bounio vient de plus en plus traumatisé. Parce que l'orgade au tête de l'eau a monté là et Berman, vraiment, c'est inquiétant dans la ville et de Caille, son situation qui, by moon, est gros qui a sauté. Reprise compétition post-Mathieu, t'es pas bon pour le football club Petit Gouave qui est en déplacement, prend 2-0 dans les tempêtes. Et là, là après recevoir une équipe, si vous voulez, qui est un petit peu requinqué, le Violet Athletic Club. Yes, ça va être un match assez intéressant à Petit Gouave. C'est un match qui va porter l'espoir tout, dans la région d'El Palme, dans la cité de Faustin-Soulouk, et Petit Gouave qui a recevoir Violette. Parce que ils sont victimes en pile tout, ils ont subi. Donc, l'équipe de Petit Gouave va jouer pour son public, va jouer pour la population Petit Gouavienne, pour montrer que football, sport, a permis de nous rester et pour nous rester dans la tête de l'eau, malgré tout malheur, malgré tout problème, l'équipe-là, pape sombre, et l'équipe-là, c'est lui pour faire fierté la ville de Petit Gouave. C'est ça. Il y a un autre bon, et Don Bosco, qui saute et finit l'expérience Ligue des Champions contre Cacafli. Et il apprend en pile, là, il a déplacé la caille en équipe pour la dos. Qui besoin de points pour le rapprocher, s'il vous plaît, dans cette clôture-là, deux équipes qui sont en tête? Tout est possible et pour le roulado. Qui, en même temps, connaît chaque victoire qu'il réalise, c'est éloigné après éloigné de zone relégable. Ça veut dire que ça va être un déplacement très difficile pour l'équipe du Don Bosco de Pétionville. Don Bosco qui perd du en pile là. Don Bosco qui perd du superbe. Parce que. Un an de ça, c'était une meilleure équipe, mais ou pas qu'à parler de Don Bosco comme meilleure équipe encore, parce que l'équipe-là, malgré qu'elle gagne, c'est vrai qu'elle gagne plus le match en retard, mais actuellement, c'est en dernière position qu'elle est dans le classement, tournoi de clôture là, et ils ont alterné le bon et le moins bon. Et le mauvais, pas le bon, bon et le mauvais carrément. Et dans le tournoi de clôture là, nous souhaitons que James Morissette, ils ont changé de staff. Il était gonti embelli et puis problème autour de lui. Mais Roulado, après essayer de faire le redoutable, parce qu'il était connu passage à vide, après un bon début de tournoi, dans la CAIO, il était gagné deux ou trois matchs d'affilée. Mais il s'est fait match sur la CAIO, ça a été deux journées. Oui. Donc ça veut dire que, si vous voulez, et Jean Oteye, la CAIO et Périal, il y a un petit baisse de régime à domicile, donc que Don Bosco a profité de lui pour le récolter, pour le prendre quelques points. Pour le prendre point. Par contre, c'était 3 saisons. Parce que tout l'esprit joue à Don Bosco, on est à focus sur le championnat national et on a toujours une chance pour jouer playoffs. Rencontre de deux équipes dans la région des Palmes, Inter Gringoive, Cavalli. Inter Gringoive, Cavalli, son gros match. Et Cavalli, qui a alterné le bon et le moins bon. Et Inter de Gringoive qui ont un redoutable la Kaeli, qui fait quelques belles victoires la Kaeli. Donc c'est le moment pour y sortir dans une zone dangereuse. Inter de Gringoive, ça va être une équipe très très dangereuse pour le cavalier de Léogane. Tenant du titre, le récit de football comme on arrive à recevoir les Noirs. Les Noirs qui est champion en match nul. Yeah. Et est-ce que finalement il y a pu rompre avec Spiral Zaha, puis il peut gagner? C'est pas évident, même si le récit de football arrive, dehors. Il n'est pas bon, la Kaeli n'est pas fini trop bon, mais il n'est pas perdu. Il n'est pas perdu. Est-ce que Jean Sodia, l'aigle noir, je dis à moi, il t'a pas entraîné dans Ranger, il était avec les amis à Oledma, il était fini de travail, je dis, il est serein, il n'est pas allé à la victoire là, parce que faut que l'aigle noir quitte la zone dangereuse là, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est pas évident. Il y a trop de doutes autour de l'équipe. L'état d'esprit de l'équipe belérienne n'est pas au beau fixe. Bon. Donc,
comme Harold donc yo serein, nous espérons que sérénité ça a permettre yo pas faire un mauvais résultat la caille réussir le football Gonaïve. En fait, yo gérer pression quand même tout dehors parce que yo pas perdu. Y aller dans un terrain qui est difficile yo, ou à la mettre et ils ont obtenu un très bon match nul. Y aller caille au cap que ce soit face à Fika, que ce soit face à équipe AECA. Yo et fait match nul tout. Donc c'est preuve que l'Aigle Noir quand même sait voyager. Mais l'Aigle ne peut pas gagner et à l'extérieur, c'est ça qui bat, ils ont tout à chargé, ont tout à fait mal. Tout à fait. Ensuite, toujours dans le classement, notre match gagné dans la journée 1, et Racing Club Haïtien a gagné un bon client, et Fika, qui, s'il nous misait nous sous et match qu'il gagne dernièrement, l'a vu dans ce stade-là pour le confirmer face à l'équipe Racing. Qui n'a mis au tableau, qui l'a encore, Abgoumé pour sauver saison. Abgoumé pour sauver saison, mais qui, par rapport à ça, nous, on a déjà progressé. Qui, au fond de jeu que vous trouvez. Parce que quand le Racing joue maintenant, le Racing est menaçant. Le Racing rate des buts. Donc, si l'équipe manque des buts, c'est-à-dire que son équipe qui a des 7 plays, qui est bien organisée, si y a manqué yo, yo ka fini pa marquer tout. Donc nous pensons que Fika quand même qui toujours en plein doute. Fika qui pas de gagné pendant paquet de matchs même si on était gagné on victoire assez convaincante face au Baltimore qui était été sous deux victoires d'affilée mais face au Racing Club Haïtien et au stade de Silvio Cator, c'est à part l'autre paire de manches donc ça qui fait que nous pensons et c'est un match qui a mérité déplacement pour moun à regarder équipe Fika face à équipe et Racing Club Haïtien. Surtout que Racing, on y a des villes, le bien vraiment. Il fait goal. Il fait goal. C'est ça que fait Mdou. Je pense que c'est. Il y a deux équipes dans le championnat qui sont aussi dangereuses. Wadamet et Racing. Le fait goal, il fait goal. Il n'a pas fait tout. Il a raté un peu le tout, mais il fait goal. C'est-à-dire, ils ont gagné un fond de jeu, un jeu qui est très direct, qui allait vers l'avant, qui portait vers le but et qui permettait de faire tout ça. Il était connu pour nous parler de Debio, petit Debio Kaplan entre Real et ASC. Match à enjeu. Enjeu, son derby d'abord, mais enjeu intéressant. Real qui connaît une victoire à propulser pratiquement en place à ASCA. Et ASC qui connaît que moins de faux pas que Awana met fait. La Caraméca, si match a joué bien sûr, j'en dis tout à l'heure, eh bien, il est capable de profiter pour le reprendre place de théâtre. On a dit, c'est chaise musicale. Et chaise musicale, et il faut dire que son derby, et depuis nous parler de derby, nous parler de. Harmonito. Harmonito, qui permettent que Napoté image pour lundi entre Real et ASC. Mais il faut dire que Real avec ASC, ils ont un parfum spécial dans la matière. Parce que Real sorti en ASC. Président Real, c'est vice-président dans l'équipe ASA, ancien joueur ASA. Dans un bouche louvre, chire, pit avec le président actuel. Monsieur Alfer parle. Monsieur Alfer qui parle. Il est allé dans la deuxième division et puis il est monté dans la première division. Et ASA, pourquoi battre? Nous, il y a un hacker pour renfler ASA. Et gros équipe yo et équipe on dit équipe qui gagne au cap pour combattre Real et Real vini c'est pour Real fanatique Real dirigeant Real c'est le match à ne pas perdre surtout face à l'AS et également face au Fika d'ailleurs ça au défait Fika première rencontre yo dans première division yo on fait Fika AS était gagne chance au faire match mais cette fois-ci yo dit AS y a touyer coq là quand même y a prend ploum nan y a prend ploum nan. Comment apprendre, nous ne connaissons pas. Mais nous sommes certains, lundi, nous avons porté une image pour vous, pour nous dire comment le derby a été un derby au parfum très spécial parce que Real est sorti en deux équipes haïtiennes. Et c'est ce que Kemp a chargé. Ouais. Même Jean-Saint Ouel d'aller dans le match, c'était Real et Real du Cap Fika. Mm-hmm. Voilà. La balle chargé, la balle est plus pour nous. Parce que nous jouons avec AEC, mon AEC, ils ont envie de manger pour dire. Grand monde, c'est grand monde, respectez grand monde. Vous comprenez? Grand monde, c'est grand monde, respectez grand monde. Et je dis à nous rencontrer, nous pourrons parler. C'est grand monde qui baille, rosé, qui suit l'émission chaque jour. Nous saluons, nous connaissons, nous regardons. Il dit, ah, nous semblons coquins.
Il dit, quand il y a un, il ne peut pas former dans le monde. Papa dit, ça, 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 Salut madame d'abord. Dernier match, Baltimore. Baltimore d'Opet. Et là encore, on a plat. Baltimore, connaît que. Et c'est comme ça, a toujours eu. Et le pape mène tempête devant, tempête toujours aller à l'épile. Même bagarre là. Baltimore, non, situation côté Lika, Alna, parmi trois premiers. Tempête pour aller à l'épile. Et tempête dit, si c'est pour moi, recette là pour nous, trois points pour nous. C'est Baltimore qui reçoit. Ah ben, recette là pour Baltimore, trois points pour tempête. Et Baltimore dit, yo sort pour un mauvais boy au cap, puis yo connaît que yo guéri, pas une plus bonne guérison, leur guéri sous ennemi. Parce que laisse un petit goût sucré. Chaque fois garder yo, yo gêné. Donc nous pensons que équipe Baltimore qui soit équipe assez dynamique, assez compacte, mais tempête quand même qui a peut retourner. Tempête qui sort font victoire. Non, dernière journée, 2-0. Sous leader. Et en victoire assez convaincante. C'était sous leader à 2-0. 2-0. Donc nous pensons que Mounsemak Pataka Pigate dans un derby comme ça. Et côté que deux équipes yo, plus ou moins en confiance, tous les deux à battre pour yo, parce que dans le classement général là, yo pas qu'on fin bien chita net. C'est un proverbe qui dit bien chita pas empêcher gal lever, mais yo yo besoin puis bien chita. Donc nous pensons que moun yo pas faire déplacement et là encore Sport Canal Plus à plat, Sport Express 62 à plat tout pour nous connaître qui s'est passé sous terrain ça. Ça veut dire que nous devons attendre nous à un classement qui modifie lundi. Et forcément. Et a bien réel quand même quand même quoi. Bon c'est ça. A bien machouon cap chaviré. Dommage on dit que match ami Kawana met capable jouer mais c'est le jeu pas bien mais que justement ouais. Pour justement chambardement ça a fait avec justement tout si toute équipe on a mettre dans même niveau. Dans même niveau et puis qu'est tout pour nous sauter. Yeah. C'est ou bien tout pour nous bon ou bien quand on sauter. Donc, moun tout côté, dans ce stade-là, Fanatic Racing a obtenu face à Fika. Fanatic Racing a obtenu Fanatic face à Fika. Et Roulado, eh bien, a obtenu Fanatic Roulado contre Don Bosco. Et on allait toujours qui côté. Et bon, pour Parc Level avec Kemp, Parc Saint-Victor, nous n'avons pas de soucis pour ça, tellement pour que moun nan terrain ça. Et puis Racine Gonaïve connaît que Moun Gonaïve connaît que Racine besoin et victoire ça face à l'Aigle Noir. Inter Gangouave Cavali et ces matchs région des Palmes, nous besoin ambiance ça, nous besoin et que nous aller recréer nous. Et puis ASM joint tous. Et souhaite que jouer. Tout bagaille. On souhaite que jouer et que tout stade ça yo gagne moun vraiment équipe yo besoin ça. D'autant plus que nous avons une phase de compétition là qui vraiment intéressante. Très, très, très importante parce que là, nous n'avons pas aller. Foc, nous en dernier, ligne ou Atlan, équipe qui fait erreur là, ou gain chance, ou carré malchance, ou atterrir dans l'enfer de la deuxième division. Tant pis, s'il vous plaît, pas de violence. Nous avons trop de problèmes déjà. Nous avons trop de tracas déjà. Regardez toute calamité qui a battu. La pluie a tombé, inondation tribord-barbo, tout département yo menacé. Dans l'ouest, il y a la pluie tombée, d'un côté, Mounre Lamoué, il n'est pas aussi violent, j'en lien dans le sud, j'en lien dans le nord-ouest. Tant pis, s'il vous plaît, dans le match football, yo, c'est non fait toile. C'est ou pas le gourmet, ou pas le faire, vieux acte barbari, j'en oué, nous faire le son de terrain, n'aller pour n'aller prendre plaisir, n'aller pour n'aller courir des chagrins. On a le courir derrière la misère, on a le courir derrière les problèmes. C'est pour ça que le match, je dis, il y a une bouffée d'oxygène pour nous dire que nous avons célébré la vie, pour nous faire coller les épaules, pour nous faire coller, pour nous dire pour nous avons l'autre pays, pour nous avons l'autre société, pour nous apprendre à prévoir, pour nous apprendre à planifier, pour chaque fois qu'on se cause comme ça, pour ne pas gagner de sauter. Tant pis, s'il vous plaît, suspendre la violence. Oui. Et on continue à montrer, même Jean et Sélection nationale nous ont montré, malgré problème nous, malgré difficulté dans tant pays, mais sélection nationale a montré une autre image.
eh bien, en dans tout. C'est vrai qu'il y a un problème, c'est vrai qu'il y a une calamité, mais nous avons joué au football et nous avons joué bien. Nous avons créé l'ambiance, nous avons participé à l'ambiance pour nous passer un bon deuxième temps et dimanche après-midi et samedi après-midi, pendant que nous avons applaudi l'équipe de football, nous avons applaudi l'autre tout. S'ils font belle bagaille pour qu'ils partent, on a apprécié, on a découvert, on a encouragé le joueur de ça que nous aimons en pile. Et l'image ça que nous avons vu hier, et Jacques n'a pas appelé l'image. Moun Manchester dans Old Trafford qui campait pour applaudir gol que Robin Van Persie, ancien joueur équipe là qui font gol, il pas célébré, il saluer moun yo qui était retourné dans bagaille là qui a campé tout le monde. Sir Alex Ferguson, toute autorité, tout honnête applaudit. Vous dites monsieur, merci parce que vous avez combattu le bon combat avec nous et quelqu'un soit côtoyé ou été yonan moun qui fait Manchester United grandit. Donc c'est ça lié dans le sport. C'est ça qui moun tout bon vrai. Mais c'est pas l'offre violence. Parce que l'offre violence ou petit, en pile, surtout l'offre violence ou moun qui pis faible. Surtout là, nous, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, nous barrer, j'aime nous avoir couru des habitants, nous ne pouvons pas montrer parce que nous ne pas faire apologie pour la violence. Nous ne pas boire tout est. Gabelza, pour n'a pas le montre ou cap couille de mon quoi. Non, nous pas prendre nous, c'est un peu de son énergumène ou c'est un vaut rien parce que c'est ça le sort qu'a fait. Couille, bat moun parce qu'on sont lâches. Parce que sont des moun ou pas d'avoir la prendre, frapper moun qui pi faible que ou. Et puis, n'a pas souhaité un port établissement à Winner Etienne. Coach, je connais que Kotoye a wapé gagé, mais parle trop fort. Ou c'est monde football, ou qu'on joue football, ou entraîneur football, ou qu'on qui sa blessure, ça arrive de dire, ça prend temps, faire rééducation après ça, et puis tout bagarre en forme. Et quand on y a heureusement grand pile bagarre qu'on a fait, ou qu'on a fait un pile travail avec nouvelles technologies qu'on y a, et communiquer par internet, par un pile moyen pour communiquer, ou juste pas sur place, on connaît que envie tenir sous terrain, envie à l'anglais. Et les manifester en pile la caillou, mais poser pour tourner venir joindre nous vraiment très bien. La tourner venir joindre nous, et là, on va rentrer vite et nous finir avec page locale là. Et on a bon rendez-vous lundi pour notre page locale et aussi copieux. Besoin bon analyse à commenter sur sport, nous invitons à suivre un grain de chaud sur écran. Sport Express 62. Besoin aller plus loin que ça pas bien comprendre, pas quitter train à quitter. Pendant 45 minutes, viens regarder, viens écouter, viens comprendre ça qui t'est passé, ça qui t'a passé dans toute discipline pour ici pour notre bord de l'eau. Sorti lundi pour vivre vendredi, chaque après-midi 6h, ça fera le show dans Show Power là, Sport Express 62. Sport Express 62, c'est l'émission tout le monde qui connaît sport.